m'appelle Stéphane Ocante, je vis en Alsace depuis maintenant un peu plus d'un an. Juste avant, j'étais en Palestine, et c'est dans ce pays-là un peu particulier où je travaillais et où je vivais que m'a pris un petit peu le démon de l'écrit, ou en tout cas celui d'écrire et de publier, d'abord pour témoigner. La Pousse Palestine, c'est plutôt un livre assez lumineux, c'est des portraits de personnes que j'ai rencontrées là-bas, et j'ai eu envie d'écrire un livre plus personnel, qui soit un peu le 22e portrait, le premier, il y en a 21, qui soit le mien, mon portrait à moi, vivant là-bas, réagissant à ce que je vis là-bas. Et ça s'appelle donc Palestine by Night. En Palestine, cela fera bientôt 70 ans que le peuple palestinien continue malgré tout, sans pays, sans patrie. Ma famille et moi, nous sommes vraiment des petits joueurs à côté, moi surtout. Je me sens rendu depuis peu fumiste, illégitime. De quel droit j'écris sur Naplouse et ses habitants? J'en sais quoi, moi, de la Palestine, moi qui continue à vivre en cachette comme si j'étais en Occident, comme si j'étais plus libre qu'en Occident. Oui, jamais je ne me suis senti aussi libre qu'en territoire palestinien occupé. C'est un comble.